On sait qu'il y a urgence. Frédéric Valtoux, Horizon, longtemps pressenti à ce poste, a été nommé ministre délégué chargé de la santé et de la prévention le 8 février 2024. Maire de Fontainebleau pendant 17 ans, président de la Fédération hospitalière de France pendant 9 ans, il a fait de la santé son cheval de bataille. Aujourd'hui, il considère les déserts médicaux qui touchent 85% du territoire français comme le sujet numéro 1. Lui-même est élu dans l'un des plus arides. Avec une densité de 89 généralistes pour 100 000 habitants en 2023, contre 114 en 2012, la Seine-et-Marne est le centième des 100 départements français en termes de concentration de généralistes et le 96e en termes de soignants. C'est un phénomène qui dure depuis des années et qui s'aggrave à cause de la pyramide des âges qui se creuse. Il y a urgence mais il faut 10 ans pour former un généraliste. Sans parler de ceux qui quittent la profession, s'alarme le ministre. Mi-décembre 2023, la loi qui porte son nom, Proposée par le député Valtou, est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle s'appuie sur la permanence des soins, le cumul emploi-retraite des médecins et incite financièrement les étudiants en médecine à exercer dans les zones désertées. Les maires se battent tous les jours. Trois mois plus tard, le ministre Valtou garde le cap, celui de la mesure et de l'optimisme. Il ne promet pas de grandes réformes mais puise dans son expérience de terrain les armes qu'il compte mobiliser pour tenter de pallier les manques. Pour donner une réponse politique, il met en avant son expérience d'élu local. Les maires se battent tous les jours pour trouver des solutions. La Seine-et-Marne en est un parfait exemple. À Fontainebleau, nous avons créé la Maison de santé pluridisciplinaire universitaire, MSPU. Un dispositif lié à la faculté universitaire de Créteil ayant pour but d'accueillir les jeunes étudiants en médecine à Lupec, en leur offrant une structure attractive. Il a été dupliqué à Coulommiers et à Nemours, détaille le ministre. Soulager les médecins des tâches administratives. Une première réponse de proximité. Seulement, une réalité traverse l'ensemble de ces structures, la difficulté à trouver des médecins qui s'y installent. On avance dans le bon sens. La révision du numerus clausus permet d'accueillir 20% d'étudiants en plus en première année. Seulement cette solution ne peut voir de résultats immédiats du fait de la longueur des études de médecine, insiste Frédéric Valtou. Il est fermement opposé à l'affectation des jeunes médecins généralistes dans les zones en tension, qu'il juge contre-productive, le but n'est pas de faire fuir les jeunes diplômés. Pour rendre le métier plus attractif, il propose de faire monter certaines professions en compétences, le but est de soulager les médecins des tâches administratives qui représentent aujourd'hui 20% de leur temps. Le Premier ministre a annoncé la création de plus de 10 000 postes d'assistants médicaux d'ici à fin 2024. Nous sommes actuellement à 6 000. En outre, les infirmières et les pharmaciens seront amenés à effectuer des tâches qui participeront, selon lui, à désengorger les salles d'attente.